Là, on est dans la partie 2 de Une journée dans ma peau. Et comme je le disais dans la partie 1, deux journées dans ma peau. Donc, après que je me suis habillée, je vais voir mon hamster Elsa si elle a encore à manger. Du coup, la voilà. Hop. Attendez, hein. Je referme et je vais la faire enlever de sa petite gamelle. Des fois, elle est... Oups, excusez-moi. Voilà. Comme ça, elle ne rentre pas. Bon, désolée. Attendez, parce que là, il faut vraiment que je la distrais. Donc, je vous laisse avec la fille de la... Donc, voilà, j'ai réussi quand même à attraper sa gamelle. Et il n'y a que ça dedans. Attendez. Hein. Je sais pas si on voit. Voilà, donc il n'y avait que ça. Voilà. Donc elle est très gourmande. C'est pas que je m'en occupe pas. Hein. C'est qu'elle est beaucoup, 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 beaucoup gourmande. Donc, du coup, enfin, voilà. Donc là, je vais prendre dans le tiroir. Dans le tiroir. Les pots, parce que... On a des pots, on met dans des pots, donc du coup, il faut... Donc désolée, je vais poser. Et si vous voyez des gens derrière, c'est parce que ma maman, elle passe, elle fait la cuisine. Donc on va jeter ça à la poubelle. Voilà. Donc désolée, ma poubelle, elle déconne. Donc si vous entendez des bruits derrière, ce n'est pas grave. C'est juste la poubelle. Ensuite... Je vais mettre les graines de tournesol avant, comme je disais bien, je suis Miss Catastrophe. Je vais mettre les graines de tournesol avant parce que... Mais selon, on ne peut pas les manger. Je vous rassure. Prenez ça et vous mangez. C'est sans sel. Donc je mets les graines de tournesol avant parce que comme elle est gourmande des graines de tournesol, du coup, elle va manger aussi ce qu'il y a au-dessus. Et quand elle aura tout mangé ce qu'il y a au-dessus, attendez, j'en ai mis un petit peu trop là. Voilà. Donc, j'ai mis ça dans sa gamelle. Attendez. Ça. Donc du coup voilà. Et ensuite, il y a ça comme nourriture. Je vais refermer le pot et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc du coup, je vais remettre la gamelle. Donc, voilà. Elsa est juste là. Voilà. Elle est tout le temps dans cette... Dans cet espace-là. Voilà. Désolée, ça me gratte. Je vais remettre ça. Donc, du coup, voilà. Quand j'ai terminé de donner à manger à Elsa, je vais me brosser les dents. Je me brosse les dents et je vous laisse avec, juste avec la suite. Bye bye. Donc voilà, je me suis brossé les dents et je me suis coiffée. J'ai fait une petite queue basse parce qu'avec ma boum, sinon ça va pas rentrer. Mais voilà. Ensuite, attendez, je vais dire en secret parce que c'est un secret pour ma maman. Je vais ranger ma chambre. Donc du coup voilà. Et je vais essayer de filmer tout ça.
Mais vraiment, ma chambre est un bordel. Donc, je vais faire ma clé, comme ça, elle ne pourra pas entrer. Je suis obligée de me prévenir. Je vous laisse juste avec la suite parce que je vais appeler ma mère. Donc, ça y est, j'ai dit que j'avais fermé ma porte à clé. Donc, si elle devait entrer, il fallait qu'elle tape. Donc, je vais commencer par ce petit bureau qui est énormément crado en ce moment. Donc, du coup, je vais commencer par ce pot-là. Donc, voilà à quoi ressemble ma cousine qu'on va prendre. Donc, du coup, voilà. J'ai marqué ma cousine d'amour derrière. Bon, bref. Oui, je sais, c'est un carnage ici. Donc, du coup, je vais mettre ce feutre là-dedans. Tous mes feutres Velleda. Là-dedans. Alors, est-ce que... Bon, désolé si ma chambre est en carnage. Je range jamais ma chambre. C'est parce que vous êtes avec moi. Oh. Désolé si vous voyez des choses bizarres sur le téléphone parce que je suis obligée de bouger la caméra. Donc... Attendez, hein. Je pose le téléphone de Mimi. Et je suis de retour. Attendez. Bon, je repose parce que voilà quoi. Du coup, ça, je vais le mettre en dessous. Parce que en dessous, attendez. Désolée. De tout ce carnage. Je suis désolée. Je suis vraiment, mais vraiment, absolument désolée pour ce gros carnage. Et voilà, j'ai terminé. Bon, vraiment, j'étais petit, hein. Donc, ensuite, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Je ne sais pas vraiment. Ensuite, on va attendre qu'on mange. Et en attendant, je vais mettre mon pyjama dans la salle de bain. En attendant, je vais mettre mon pyjama dans la salle de bain. Donc, j'espère que vous allez m'entendre, hein, dans la vidéo. Parce que sinon... Enfin, voilà. Parce que derrière, des fois, dans mes vidéos... Enfin, voilà, vous m'entendez pas trop. Donc, du coup, voilà. Et... ce que je fais des fois, que je regarde un petit peu la télé, mais comme là, les zooms, ils y sont, du coup, je peux pas. Je vais vous présenter mon hamster, Elsa. Donc, du coup, la voilà. Bon, attendez, je sais pas si vous voyez bien. Là, vous la voyez. Enfin, bref, je ne sais pas du tout. Mais du coup, voilà. Vous la voyez, dites-le-moi en commentaire. Si vous la voyez, vous la reconnaîtrez. Hein. Voilà, de toute façon, vous l'avez déjà vue. Voilà, elle est trop mignonne. Oh. Donc, des fois, elle mord. Ensuite, ici, il y a Tête. Mais il se cache. Oui, il se cache. Et elle est juste là. Oh, tu vas faire manger la caméra. Donc, je vais mettre en commentaire juste là, donc en barre d'infos,
comment elle s'appelle. Et la chaîne YouTube de ma cuisine. Je vais la mettre comme ça, ben, vous saurez, c'est quoi la chaîne YouTube. Eh oui, j'ai oublié de vous dire qu'est-ce qu'elle a aussi à manger. Il faut sauver. Donc, elle a aussi ce bâtonnet qu'on peut manger toute la journée même. Elle le mange presque toute la journée. Je vais le remettre. Je ne sais pas, je sais vraiment pas qu'est-ce que je peux faire. Et là, je vous laisse juste avec la suite. Donc, du coup, là, je vais vous retrouver avec la troisième partie quand je vais à l'équitation. Donc, quand je suis dans ma voiture. Donc, du coup, je vous laisse avec la troisième partie, quand je suis dans ma voiture pour aller à l'équitation. Bye bye.